Salut, moi c'est Marina D'Amico, je chante depuis que j'ai 4 ans et j'ai jamais arrêté. Je devine les blessures que tu caches, chaque fantôme que tu chasses, ce qui te tient debout quand la nuit tombe. Tu dis qu'un homme ne pleure pas dans le noir, mais moi je sais que certains soirs, tu ne tiens qu'à un fil comme tout le monde. Pourtant, partout dans l'univers, chaque seconde, pourtant, il y a de la lumière au pied des ondes. Feelings, I can feel it. It's l'image que je reflète quand je suis sur scène, je pense que c'est celle d'une jeune fille ou jeune femme, si je puis dire, qui fait passer justement des messages à travers ses chansons et à travers ses paroles, tout simplement. Quand je suis face au public, c'est un peu indescriptible parce qu'en fait, c'est justement là où je me sens moi, où je me sens bien, où j'oublie tous les soucis du quotidien et puis voilà, c'est une source de bonheur et c'est là que je peux respirer à fond en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Feelings pour moi c'est tout simplement un nouveau départ, vu que c'est mon deuxième album et mon premier single du deuxième album. Et puis cette chanson elle a quand même un beau message, elle veut tout simplement dire qu'il faut arrêter de se mettre des masques au quotidien et puis tout simplement qu'il faut s'assumer comme on est et assumer ses émotions et ne pas avoir peur de les dire. La musique pour moi c'est un peu tout, c'est un loisir certes, mais c'est plus qu'un loisir en fait, parce que je vis musique, je me lève musique, je mange musique, je dors musique, c'est vraiment à tout moment quoi. Je peux pas vivre sans musique, pour moi c'est tellement triste, je sais pas moi, une maison sans musique ou des gens qui n'écoutent rien et qui me disent « Oh moi je m'en fous, j'écoute rien ». Non, pour moi c'est pas trop une... Enfin c'est pas possible. La musique c'est la vie. Mon avenir musical, comment je le vois, comment j'aimerais le voir plutôt. Ce serait que mon deuxième album fonctionne et que je puisse faire des scènes tout le temps et que voilà, ça prenne de l'ampleur, tout simplement.